Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Palais des Saveurs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on fait un dessert, un gâteau au chocolat, vous allez voir, excellentissime, fondant à souhait, un régal. Alors, dans un saladier, je fouette mes œufs avec le sucre glace. J'y ajoute le mascarpone. Je verse le chocolat fondu. Je termine par la maïzena. Je verse le tout dans un moule de 22 cm de diamètre. À cette préparation, je peux incorporer des raisins si j'en ai. Ce n'est pas le cas. Donc mon gâteau sera nature. Puis j'enfourne 20 à 30 minutes à 160 degrés dans un four à chaleur tournante. Je dois obtenir un gâteau avec une croûte sur le dessus, mais qui reste encore tremblotant au centre. Alors, mon gâteau, je le sors du four, puis je le démoule sur une grille. Et je le laisse refroidir. On passe maintenant au glaçage en faisant chauffer la crème Florette avec le miel jusqu'à ce que ce dernier soit fondu. Alors, une fois mon mélange à 40 degrés à peu près, j'y ajoute le beurre. Une fois le beurre fondu, je verse cette crème sur le chocolat. Je place mon gâteau sur une plaque, puis je verse le glaçage sur le dessus. Je réserve au réfrigérateur. Ça y est, mon bon gâteau au chocolat est prêt à être dégusté. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir!